Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Resident Evil 0. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple, c'est que, ce qu'on va faire, on va enlever ça, voilà. Donc on a une clé rouge, donc en fait cette clé rouge va servir à ouvrir des portes rouges. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ces portes rouges tout simplement. Et donc du coup on va récupérer déjà les grenades napalm. Et puis on va aller chercher ces portes rouges comme on dit. Donc du coup... voilà, la porte rouge est bon. Enfin, la porte rouge est bon. Voilà, nickel. Et donc, du coup, on va pouvoir ouvrir la première porte rouge qui est celle-là. Hop. Ok, voilà, vous étiez la clé du centre. Nickel. Et donc, du coup, après, une deuxième porte rouge. Mais celle-ci, je sais plus exactement où elle se trouve. Et donc, du coup, je vous dirai à tout de suite pour aller ouvrir la porte rouge. Donc, voilà, on récupère. Alors, je vais pas vous mentir, en fait, j'ai fait pas mal de choses, là. Seulement, je suis mort comme un con. Du coup, je suis obligé de tout recommencer. Donc, si vous dites, « mais attends, comment ça se fait que tu sais ce que tu dois faire, tout ça? C'est pas normal. Moi, je trouve ça pas normal. Attends, mais tu triches. » Mais bon, voilà, c'est pour ça, en fait. Voilà, donc, bon, je suis désolé, mais bon, je suis mort comme une merde. Donc, j'étais empoisonné, je ne sais même pas comment. Et donc, du coup, j'ai le démon. Jusque-là, par contre, c'est compliqué, là. Ah ouais, j'ai plus vraiment de place, là, hein, c'est chaud, là. Comment je vais faire ça? De toute façon, je vais l'utiliser, donc de toute façon, je vais poser ça, voilà. Non, comment on fait? Hop, laisser, nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon cher Zippo. Voilà, comment ça s'appelle? C'est de l'essence de briquet, voilà. Hop, on va combiner ça avec le briquet, et puis on va récupérer ce qu'il y a par terre, nickel. La voilà, ça c'est parfait. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Ah, il y a une plante rouge. Ouais, bon, on s'en fout quoi. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous dirai tout de suite, pour la deuxième porte rouge, c'est parti. Voilà pour la deuxième porte rouge, attention. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer sur le suspect? Le suspense est à son comble. Ça fait peur. Ah, il se passe rien. D'accord. Bon alors du coup, voilà, donc là on pousse la table tranquillou, et en fait là on va récupérer une petite aiguille qui va nous servir à pouvoir indiquer un temps, voilà, tout simplement. Donc alors juste on va récupérer les munitions, voilà, hop, petite munition, tranquillou, et puis on va monter là-haut. Alors j'ai découvert aussi que les munitions de pistolet, on peut en avoir maximum sur soi, enfin sur soi, dans une boîte on peut en avoir maximum 255. C'est quand même dégueulasse quand même, non? Enfin, je sais pas. Moi je me dis, faut peut-être pas se foutre de ma gueule, quoi. Hein. Comment ça, 255? Tu sais, c'est même pas 250, tu vois, c'est 255, tu vois. Alors. Oh, non, mais franchement, s'il te plaît, tu te fous de moi. Voilà, on active, voilà, hop. C'est bon? Ouais, youpi, la lumière, c'est génial. Et donc, du coup, on va prendre la... Comment ça s'appelle? L'aiguille qu'il y a sur le cerf, voilà, hop. Et on va pouvoir, après... nickel. On va pouvoir changer l'heure et pouvoir mettre l'heure à 8h15. Et du coup, ça va ouvrir des portes. Et du coup, on pourra continuer le jeu. Alors ça, j'ai mis combien de temps? J'ai mis un peu plus d'une heure à faire tout ça. Enfin, à faire tout ce que je vais faire là. J'ai mis un peu plus d'une heure à le faire. Ouais, non, mais c'est hallucinant quand même des fois. Alors que ça prend 2 secondes. Hein. Ça prend 20 minutes. Après, le temps de se déplacer, c'est vrai que c'est généralement long. On va dire, une demi-heure. Une bonne demi-heure. Ça c'est fait, quoi, tu vois. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser le briquet qu'on a rempli, du coup. On va utiliser le briquet pour allumer la fameuse bougie de la dernière fois qu'on pouvait pas allumer parce que justement, il manquait de l'essence. Ça c'est fait. Et donc, du coup, voilà. C'est bon, tu peux bouger? Il bouge pas. Bouger. Voilà, ok. Tu mets 2 ans à bouger, tu sais même pas pourquoi. Ok, c'est bon, voilà. Tu ouvres la porte. Et puis là, normalement, je sais plus ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié les fameux... Tiens, t'as un partiel touché, mon gars. T'es impuissant contre mon pistolet. Impuissant. Oh oui, tiens, hop. Des petits explosifs. Comment ça se passe? Attends, ce qu'on va faire, on va faire ça, laisser, hop, comme ça. Et donc du coup, après, on va récupérer. Et ce qui va, prendre l'objet grenade, oui, voilà. Ce qui va avoir pour but, en fait, de pouvoir combiner. Non, je me suis trompé.
Allez, je me suis trompé, merci. De pouvoir combiner en fait avec le lance-grenade. Regardez, hop, combiné, boum, hop là, nickel. T'as vu ça un petit peu? Non mais, je suis un BG. Oui, non, je m'en fous de tout ça. Je voudrais récupérer. Attends, hop, il est où mon... Là, ici, là. Vas-y, récupère, merci. Voilà. Donc, ce que je vais faire... Mais non, je veux pas changer de personnage. À chaque fois, je me trompe, je change de personnage. Au lieu d'ouvrir l'inventaire, c'est un truc de fou. Ce que je vais faire, je vais au moins combiner ça là, au moins c'est fait. Et puis je pense que je vais... Je sais pas, du coup. Est-ce que... Qu'est-ce qu'elle a l'autre comme... comme place? Putain, elle a pas de place, l'autre, elle a pas de... Dis, t'as jamais de place, de toute façon, toi, t'as jamais... T'es nul, de toute façon, t'es nul, ouais, c'est tout ce que t'es. Non, mais c'est pas très grave, on va laisser les... Tu peux pas dégager. Les dégage, mais... T'es con, en fait, hein. Vas-y, voilà, hop, on déplace. Déplace. Genre, t'y arrives pas. Oh, mais attends. Tu me casses les steaks à rester devant l'armoire pour pas que je puisse la bouger. Et puis derrière, tu t'es même pas capable de bouger l'armoire. Des tartes dans ta... Vas-y. Non, mais c'est vrai, quoi. Il y a un moment, enfin bon, faut arrêter. L'autre, elle se met en plein devant. Mais dégage. Mais attends, tu m'étonnes après que tu mets 2 ans. Ah oui, je peux plus transporter. C'est vrai. Donc, ce qu'on va faire... Non, je veux pas changer de personnage. C'est pas possible. Oh, elle me saoule ces touches, hein. Voilà, pour récupérer ta merde, là, que tu pourrais mettre... Tu les mets dans tes cheveux, à la limite, toi, si t'as plus de place dans tes poches. Tu mets dans tes cheveux, et puis voilà, tu tiens sur la tête. Voilà. Voilà, regarde, tu tiens le livre sur la tête. Ça va très bien, hein. Voilà, donc, ce que je vais faire... Non, mais putain, t'arrêtes de me faire chier. Tu vas ouvrir ce putain de machin, donc on va examiner. Hop, voilà, on examine. Hop, là. Voilà, on examine... Ouh, 2 petites ailes, c'est magnifique. Bah voilà, nickel. Voilà, donc du coup, maintenant, on va pouvoir combiner ça au niveau de la statue, tout ça. Donc, ce que je vais faire... Bah moi, je vous dirai tout de suite. Ouais, donc du coup, on a récupéré la statue, on va pouvoir la combiner. Hop là, et t'as vu ça un petit peu? Hop là, ça fait un ange avec 2 ailes et tout. Oh non, magnifique. Et là, du coup, on va pouvoir l'utiliser. Et on le met dessus, voilà. Donc il manque encore une aile sur l'ange, enfin sur le démon là, je sais pas quoi là. Enfin bon, mais ça on y récupérera juste après. D'abord on va aller au niveau d'une salle, mais je sais plus laquelle. Ça le problème. Mais on va aller au niveau d'une salle, c'est sûr. Il y a 2 salles où on doit aller. Il y a 2 salles en tout. Ah oui, c'est derrière. Autant pour moi. Voilà, donc la salle est juste là. Donc c'était de l'autre côté. Voilà, c'était de l'autre côté. Donc la porte est déverrouillée. Ah mince, j'ai pas encore ouvert. Voilà, donc là, il y a la grosse horloge, donc le mec qui a pas du tout lu ce qui était écrit. Non, pas du tout, c'est moi qui choisis ce nom. Hein. Donc du coup, là, on va mettre l'aiguille dessus. Ce que je vais faire... Ah mince. Ah oui, c'est l'autre qui l'a. C'est l'autre qui l'a, donc je vais lui demander qu'elle me le passe. Enfin, qu'elle me la passe, voilà. Mais moi, je quitte l'inventaire. Pourquoi? Tu sais même pas pourquoi. Donc du coup, on utilise, voilà, hop, nickel. Voilà, et donc du coup maintenant on va pouvoir bouger les aiguilles. Donc on va bouger l'aiguille des minutes, hop, on bouge à droite. Donc on met 8h15, hein, c'est ce qui était écrit la dernière fois, on a vu ça sur un papier, c'était écrit 8h15, je sais pas quoi, enfin bon, il y avait une histoire de 8h15, voilà, je sais plus exactement ce que c'était. Et donc du coup on va mettre 8h15, donc voilà, 8h15, et normalement ça devrait pouvoir... ouvrir les 2 portes, et ça, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, on a la porte, la fameuse porte qu'on n'a pas pu ouvrir tout à l'heure, parce que c'était fermé, hein, voilà. Et donc du coup, on a la porte, attention, qu'est-ce qui se passe avec les gens? Ah, bah il se passe pas grand-chose. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Poème, la lune s'incline devant la terre prête à l'allégeance au soleil. Franchement, on s'en fout, hein. Voilà le pilier... Le chemin de la gloire et toutes nos forces... voilà, bon, tu lis si t'as envie de lire. Moi, j'ai la flemme de lire. Plus que ça. Bon, alors, du... Oh, dégage. Nictas. Hein, voilà. Bon. Hop là. Je les avais oubliés, quand même. Hein, je les avais oubliés. Bon, alors. Toi, tu te calmes.
C'est calme, c'est bien. Non, récupère pas ça. Non, c'est ça. Non, tu récupères. Non, non, non. Hop, toi. Vas-y, viens, viens. Toi, dégage. Toi, viens là. Je te défends. Je te défends. Dégage. Ouais. J'étais à l'œil, mon petit. J'étais à l'œil. Bon, on récupère le microfilm. Hop, ça va nous servir. T'inquiète. T'inquiète que ça va nous servir. Hop, là. Il n'y a plus rien, normalement. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Ouh, ouais, non, on va pas prendre la vie. On va descendre à l'autre porte. Qui est juste en bas. Pas besoin de faire de coupure, hein, c'est juste là, voilà, c'est pas très loin, pas besoin de faire de coupure, vraiment, c'est tranquille, donc hop, on va descendre là, voilà, donc après, moi j'avais ouvert cette porte là, j'en étais au moment où j'ai ouvert cette porte, et ouais, mais le problème c'est que bah, à ce moment là, bah, je suis parti à un endroit, je suis pas encore rentré dedans, je suis parti à un autre endroit parce que j'étais empoisonné, seulement bah, il y avait plein de petites sauterelles là, tu sais, les gros criquets ou je sais pas quoi là. Et du coup je suis mort parce que bah enfin je suis mort, c'est surtout l'autre là qui est mort parce qu'il s'est fait défoncer, donc forcément ça fait mal. Oh, toi tu vas te calmer déjà, tiens, hein. Ouais, fais gaffe. Allez hop, c'est parti, on va récupérer ce qu'il faut, enfin ouais, enfin on va, bon, si on va récupérer ce qu'il faut, voilà, bon. Donc hop, on vient ici. Tranquille, oui, un projecteur. Nanana, oui, ça, je sais déjà, j'ai déjà fait. Donc, on utilise ça. Nous voilà. Après, oui, on va encore insérer autre chose, voilà. donc, quoi ? Eh bien, oui, mais c'est... Espèce de débile, comment je fais ? Je l'ai pas sur moi, il faut que je demande à mon collègue avant. Mais non, je veux pas... Comment ça, j'annule ? Comment ça ? Ouais, fais gaffe. Échanger. Avec le A. Il m'a fait peur, j'ai cru que le mec il allait me dire non, tu reprends ta disquette là et puis tu reviendras dès que t'auras les deux. Ouais, quoi ? Pff, attends, tu crois que je vais me faire chier à déposer, enfin échanger. Laisse tomber, je dis de la merde. Voilà. Du coup, ça donne quoi ? Du coup, ça donne quoi ? Ok, oui, c'est vrai que ça donne un petit code, tout ça, voilà. Il y a quelque chose d'écrit sur la photo des sièges ? Oui, je sais, j'ai vu. Voilà. Donc là, on récupère la disquette, tout ça, hein, ce qui va nous permettre de pouvoir ouvrir certaines portes. Ok, voilà, donc image sur microfilm, une image résultant à la superposition. Non, pas, on s'en fout, voilà. Bon, on se casse, hein. Allez, hop, salut. Non, parce que bon, avec l'autre, là, hein, bon. L'autre qui nous poursuit, là, il fait, oh, attention, hein. Attention. Eh, je suis à deux doigts de vous défoncer la gueule. Bon, en attendant, ce que je vais faire, bah, je vais vous dire à tout de suite, moi, pour aller, bah, au niveau du cinéma, je sais pas quoi, là. Ouais, c'est parti, on va utiliser la petite disquette. Disquette MO, si je me rappelle bien. Donc, machin loading, tout ça. Donc, chargement, quoi. Accès terminé, système de déverrouillage activé. Youpi, ouais. Ouais, donc le code OA. D'accord, c'est le même code que j'ai eu tout à l'heure, mais c'est pas grave. Enfin, 0A, je veux dire. Pas OA, 0A. Veuillez entrer le code d'accès. Code d'accès 0A. Nickel. Donc... il n'y a pas de dispositif d'entrée à proximité, si t'as envie. Donc du coup, 0, c'est juste là. Hop, on active. Et le A, c'est juste là-haut. Ah non, ça se désactive à ce... Ah ouais, je pensais pas que ça se désactive... Je ne pensais pas que ça se désactivait aussi vite. Tu peux changer, s'il te plaît ? Merci. Et donc du coup, on va activer le 0, voilà. Hop. On va vite changer de personnage. Voilà, et on active le A. Nickel ou pas ? Bah voilà, non, c'est qui le BG ? C'est bébé. Donc du coup, ça donne quoi ? Eh bah voilà, t'as vu ça un petit peu ? Ça ouvre des portes. Eh ben c'est un truc de fou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer... les ailes du démon. Ouais, les ailes du démon, c'est un truc de fou. Donc on va aller vite faire ça. Enfin, vite fait faire ça. Donc on va pas tarder à se quitter non plus, parce que bon... Voilà, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, hein, ça doit faire au moins 20 minutes, hein, c'est énorme. Non, mais voilà, il nous reste encore quelques petites choses à faire, et puis on va aller là où je ne suis pas allé. Oh, tu vas te calmer déjà, tu vois. Tu vas vraiment te calmer, là, s'il te plaît, j'ai pas envie de mourir, ok.
Ok, tu te calmes, tu te calmes. Voilà, nickel. Juste, il y a quelqu'un d'autre. Hop là. Nickel. Non, meurs, meurs. Oui, nickel, c'est bon. Donc, j'ai pas besoin de l'autre, de toute façon. J'ai pas besoin de Chris. Enfin, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Chris qui est avec nous. Hein. Non, c'est pas Chris. Comment il s'appelle, là? Enfin, bon. Il y a Rebecca, et puis l'autre, là, c'est... Le prisonnier, voilà. Ça va très bien comme ça. Et donc, du coup, bah... J'ai pas besoin de lui pour l'instant. Y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, par contre... Voilà, donc la dernière fois, je vous ai dit que j'étais empoisonné. Et ben en fait, je viens de me souvenir qu'il y avait du gaz qui sortait quand on se trompait de pion. Et donc du coup, bah c'est peut-être pour ça que j'ai été empoisonné. Donc du coup, on doit bouger ce pion-là. Hop, voilà, une, deux, bon, plus que deux fois parce que sinon ça c'est mal placé. Et donc, du coup, ça fait n'importe quoi. Voilà, donc quatre fois, hop là. Après, tu le déplaces ici. Hop, et non, et... Ah ouais, alors par contre ça m'a saoulé tout à l'heure. Oh, elle s'arrêtait pas de changer de vue comme ça là. Du coup j'arrivais pas. Mais non, mais t'as vu, ça refait la même chose. Ça m'énerve. C'est pour ça que j'aime pas ce système là. Voilà, nickel. Hop. Voilà, on place bien. Hop, et après on vient là-haut. Comme ça. Allez, allez. Voilà, nickel. Allez, monte là-haut. Hop. Hop. Là où t'as le pouce dans le vide, regarde. Elle met la main dans le vide, elle arrive à pousser, tu sais. Mais genre quoi. Ah bah voilà, nickel. Cette fois-ci, on s'est pas fait empoisonner, c'est parfait. Donc du coup, on va récupérer notre petit livre, si on peut. Est-ce qu'on peut le récupérer? Normalement, oui, y a pas de souci. Hein. Normalement, voilà, nickel. Donc du coup, on aura l'aile du mal. Attendez, il y a autre chose. Oui, y a tout un truc. Et franchement, moi, je vous dis, journal de Marcus, le 4 décembre, nous avons enfin réussi, un nouveau virus est prêt. Nous l'avons baptisé précurseur. Je veux le ramener et procéder immédiatement à des recherches approfondies. Le 23 mars, Spencer dit qu'il va monter sa société. Moi, je m'en fiche tant que je peux poursuivre mes recherches de précurseur. C'est sa vie. Le 19 août, Spencer me demande sans cesse d'être directeur de son nouveau centre. Ce n'est peut-être qu'une question d'affaires, mais son assistance devient vraiment intolérable. Ceci dit... Il y a un moyen de profiter de la situation. J'ai besoin d'une installation spéciale pour découvrir tous les secrets du virus. Un endroit où personne viendra se fouiner. Le 30 novembre, Maudie Spencer, il est encore venu se plaindre aujourd'hui. Pour lui, le précurseur n'est qu'un moyen de se remplir les poches. Imbécile, son influence s'accroît et cela ne peut que nuire à mes recherches. Si je veux développer précurseur, je dois aussi renforcer ma position. Le 19 septembre, enfin... J'ai trouvé un moyen de créer un nouveau type de virus dérivé du précurseur en l'associant à l'ADN de Sensu. J'ai fait des progrès considérables. J'ai appelé ce nouveau virus T comme tyran. D'accord. Le 23 octobre. Allez, vas-y, mais oh, tu finis jamais. Tu te tais jamais. Ah, c'est impossible. Ben non, c'est pas impossible de se taire. Vas-y, arrête. Voilà, je ne peux... Je ne peux pas progresser en exprime. Ah, bah, là, oulala. Je ne peux pas progresser en expérimentant de simples rongeurs. Seuls les humains sont des mammifères acceptables pour cette expérience. C'est la condition si, quoi? C'est la condition sine qua non pour obtenir des résultats valables. Ok. Le 15 novembre, on dirait qu'on soupçonne quelque chose sur mes expériences. Mais ce n'est peut-être que mon imagination. En tout cas, si quelqu'un fourre son nez dans mes affaires, il aura l'honneur de m'assister dans mes recherches. Tu m'étonnes. Le 13 janvier, enfin, elles sont prêtes, mais merveilleuses sensues. Les faibles d'esprit n'auront jamais le privilège de goûter à un tel sentiment de joie et de satisfaction. Je suis enfin de mesure de m'occuper de Spencer. Bientôt, je contrôlerai tout. Le 31 novembre... Les dispositifs sont protégeaient mes travaux ont été dérangés. Il semble que quelqu'un recherche T et les sensus inconscients. C'est sans doute l'œuvre du groupe de Spencer le 11 février. Oh, mais tu te tais jamais, hein? C'est ton journal intime, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai trouvé la preuve qu'on essaie de crocheter l'entrée du labo. Carrément, tu sais. Ouais, on essaie de crocheter, donc. Non, mais enfin bon, si c'est le cas. Je dois trouver un moyen de régler le problème. Je devrais peut-être charger William et Albert de dénicher ces fouineurs. Je n'ai confiance en personne d'autre, hormis ces chers chansus, bien sûr. Mais Spencer ne pourra... Ça ne pourrait pas en rester là.
J'annoncerai l'existence du thé à la prochaine réunion et je récolterai les fruits de mon travail. Donc voilà, j'avais la flemme de le relire, hein, donc j'ai remis les extraits de ce que j'avais relu avant, enfin ce que j'avais lu avant, parce que j'avais la flemme de le relire, hein, c'est vraiment, t'as vu tout ce qui est écrit, t'as vu tout ce qui est, mais c'est un truc, voilà, c'est un roman le machin. Donc, examiner, hop, voilà, nickel, et là on va récupérer notre petite aile, voilà, ça fait plaisir. Bon allez, vous savez quoi, petite coupure. Qu'on utilise, voilà. Ah, oula, attends, je me suis... Voilà, hop, et normalement, nickel. Et là, ça ouvre la petite porte. Vraiment, moi, j'y suis pas allé tout à l'heure, je suis allé ailleurs, comme je vous ai dit, à cause de poison, donc je cherchais une plante bleue, et finalement, bah, je suis mort. Voilà, donc du coup, bah, cette fois-ci, on va pas faire les cons. Bah, cette fois-ci, déjà, je suis pas empoisonné, ce qui est déjà pas mal, et on va pas faire les cons non plus. Voilà, donc du coup... On descend et on va voir ce qu'il y a dedans. Oh là là, surprise. Là par contre, je n'étais pas... j'étais pas allé hier. Enfin, hier, qu'est-ce que je dis? Tout à l'heure. Enfin, juste avant, là. Enfin... Voilà, voilà, je suis fatigué. Hein. Ouh, toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Non, 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 commence pas à me tuer. Non, poison, s'il te plaît, poison. Non, non, non. Ça va? C'est bon? Pas poison? Ouh, pas poison, yes. J'ai pas de plante bleue. Commence pas à me saouler, là. Ah ouais, non, mais bon, l'autre, elle commence à me péter les steaks, là, dès le début. Non, mais non, arrête, arrête. Non, ça fait mal. Je vais y aller au fusil à pompe, moi, ça continue. C'est bon? Et heureusement qu'on est en facile, hein, parce que sinon, tomber, ce serait vraiment la merde. Encore une? Allez, encore une, nickel. Super, bon, ça va, elle, au moins, elle est pas très, très gênante. Ça passe ou pas? Non? Vas-y, viens là, je te défends. Voilà! Non, encore! Oh. Putain, mais à chaque fois, c'est suspense. C'est est-ce que je suis empoisonné? Est-ce que j'y suis pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça passe ou pas? Ouais, ok. Donc là, il y a plusieurs portes. Je vais voir elle en premier. Ah, d'accord. C'est fait. Au moins, tu vois, c'est fait. Au moins, hop, tu sais que c'est fermé. Ça, c'est pratique, ça. Au moins, tu sais que bah, il n'y aura pas besoin de revenir ici pour regarder si la porte, s'il y a quelque chose derrière la porte. Donc, c'est bon? Ok, on va récupérer peut-être le pistolet, non? Enfin, les balles de pistolet plutôt, hop, voilà. Donc, balles de pistolet, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, plantes bleues et plantes... Plantes bleues et plantes... vertes, voilà. Donc, ah oui, mais attends, je peux pas... Ben non, j'ai plus de place, je crois. Ouais, attends. Je vais quand même voir si je peux pas combiner directement. Ouais. Allez, je peux combiner peut-être, non? Tu sais pas combiner! Ah! Et y a un petit problème dans ta vie ou quoi? Bon, bah c'est pas très grave, je peux pas combiner. Vas-y, attends, je vais bien pouvoir combiner. Hein? Combiner, on va faire quoi? Attends. Ah oui, attends, regarde ce qu'on va faire. On va échanger. Ouais, échanger, voilà. Hop. Et là, on va combiner. Hein? Allez. Ça, c'est fait au moins. Hop là, on combine. Par contre, on va bientôt se lâcher. Enfin, on va bientôt se quitter plutôt, parce que sinon ça fait bizarre. Donc, on va bientôt se quitter, et puis voilà, on va juste combiner ça. Donc, non, on va pas utiliser. Qu'est-ce que je fais moi? Là, j'ai failli utiliser. Hein. Voilà, donc là, il y aura de quoi sauvegarder. Hein. Donc, on va juste regarder quand même un petit peu les lieux, tout ça. Hein. Pourquoi pas voir peut-être une des portes. Chevalier, peut-être? Ouais, je pense que je ferai une coupure et qu'on ira voir une porte de chevalier. À part s'il y a beaucoup de choses ici à faire, hein, peut-être que... Ah non, il n'y a que dalle. Oh, quoi qu'il se passe, quoi, là? Qu'est-ce que... Ah, c'est tout? Tu veux faire un grand échelle, c'est ça? Un grand... Ouais, Rebecca pourrait sans doute l'atteindre. En se mettant debout sur les... Rebecca a monté... Ouais, bah, vas-y, c'est parti, on est chaud. Là. I'm almost there. I'm glad I could be of service. Time to go inside. L'autre, elle était descendue, elle l'a pas vu avant, t'sais. Non, non, bah non, elle l'a vu au dernier moment, bien entendu. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Après, on va faire gaffe, hein, il faudrait pas tomber dessus, hein. T'imagines, là, tu t'assois. Ah, on va tester le siège. Ah merde, j'avais oublié. Ouais, non, laisse tomber. Bon, alors du coup, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Panneau générateur électrique. Ce panneau a l'air contrôler la tension électrique de la pièce. Régler le panneau, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Activer le premier interrupteur, bah vas-y. Ouais.
D'accord, mais je suis au hasard, hein. Franchement, je peux vous le dire, je suis au hasard complet. Ok. On va mettre O aussi, pourquoi pas. J'aurais peut-être pas dû faire ça d'ailleurs. Ok, je pense que... Ouais, je vais réessayer. On va réessayer, je pense que là, il y a moyen de faire ça assez simplement, donc je pense qu'on va plus faire... O. Voilà. Après, on va faire O. Voilà. Après, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bas. Donc, hop, comme ça. Voilà. Après, on va faire O. Et après, on va faire O. Et normalement, je pense que ce serait déjà un peu mieux comme ça. Oh, ça passe? Yes! Yes! Donc, O, bas, O. Et nickel, après, ça fonctionne. Ah, je suis un BG. Non, mais franchement, juste comme ça, j'ai fait ça un petit peu vite fait au pif. Oh, du coup, ça ouvre la porte. Non, mais attends. Oh! Non! Magnifique! Magnifique! Qu'est-ce qui se passe? You are wasting your time. Mais non, je perds pas mon temps. Je me suis déjà approprié cet endroit, ce que signifie que vous êtes sur ma propriété. Oui, j'ai bien compris. Or, je hais les intrus. Mais on n'est pas des intrus, nous. On est des copains. Copains. Non, tu mets pas un truc d'orbite, s'il te plaît. Non. C'est quoi ça encore là? Hop, hop, hop. Tu m'as mis un singe là. Eh, mais t'as cru que j'étais. Quoi? Oh, mais en plus, c'est vrai, c'est un singe. Non, je pensais que c'était autre chose. Non. Tu sais, je disais ça pour rigoler, mais en plus, c'est vrai. L'autre, il m'a mis un singe, quoi. Ah, ok, c'est bon, on se barre. Je me suis dit, non, mais je vais pas combattre contre lui. Qu'est-ce qui est insensé? Tu crois sincèrement la vraie identité de ce jeune fou? C'est impossible, mais si c'est vrai, c'est la fin d'Umbrella. Bon, si tu le dis. Si le complot dont on a été victime, je sais pas quoi, la carrière de Monsieur Spencer est terminée, sans parler de la nôtre. Ouais. L'heure a enfin sonné. Intéressant. Que vas-tu faire? Je sais pas. Je vais tout simplement dire au revoir Umbrella, l'arme biologique dérivée du virus, virus T et presque, je sais pas quoi. Il nous reste plus qu'à recueillir des données de combat. Ok. Tu plaisantes, je refuse d'abandonner mon travail. Je finis mes recherches sur le virus T et je sais pas quoi pour mettre au point le virus G qui est plus virulent. D'accord, pourquoi pas. Fais comme bon te semble, je sais pas quoi, l'initial, les membres de Stars dans le manoir. Oh là, mais j'arrive pas à lire. Leur entraînement spécial au combat, feu, cobaye de choix, d'accord. Bien. En attendant, il faut s'occuper de ce fou, d'accord. Je crois qu'il y a un système d'autodestruction au sous-sol du centre. Donc tu peux faire ça. Je vais tenter de trouver et l'actionner afin de réduire cet endroit ensemble. D'accord. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Je suis dedans quand même, hein, donc j'aimerais pas mourir non plus. Je vais pas tenir longtemps. Bah ouais, qu'est-ce que je te dise, moi? Je peux rien y faire, moi. Qu'est-ce que je te fasse? Hein, je peux rien faire. Je peux pas t'aider là. Qu'est-ce que c'est que c'est là? Je fais quoi, moi, ici? Ah oui, donc du coup, il s'est ouvert. Ouais, il y a. Oui, la porte. D'accord, ok. Je comprends. Donc du coup, tu veux que... Si, j'ai un fusil à pompe. Je vais prendre mon fusil à pompe. Eh, heureusement que j'ai le fusil à pompe, mon petit. Donc je vais prendre le fusil à pompe, ouais, nickel. Et je vais pouvoir peut-être lui désinguer la gueule, l'autre. Hein. L'autre, je vais lui désinguer la gueule. Je vais lui désinguer les boyaux. Bon, alors du coup, on ouvre la porte. Tranquillou. Non, mais je t'assure, on ouvre la... je t'assure qu'on ouvre la porte. Ah ouais, non, mais bon, on sait jamais. Hein. Non, mais ça se trouve, tu regardes pas à ce moment-là, ça se trouve, t'es en train de faire autre chose, parce que t'as autre chose à faire, et du coup, je te dis, on ouvre la porte. Et comme ça, tu dis, ah, oh, on ouvre la porte, attends, je vais regarder. Non, mais tu vois, ça peut être. On sait jamais. Ouh, d'accord, ok. Donc, ouais, là, je peux pas y récupérer, je peux pas non plus récupérer ça. Oh là là, calme-toi. Non, mais calmez-vous, les gars, calmez-vous. Oula, tu l'as explosé la tête, mais de ouf. Ok, jusque-là, on est bien. L'autre a intérêt à tenir longtemps, parce qu'avant que j'arrive, mon petit, ça va mettre un petit moment quand même. Hein. Ah bah ça, là, on va pas se le cacher. Non mais bon, voilà. Je crois que j'avais vu des balles de fusil à pompe juste à côté, à droite. J'aurais peut-être dû aller les chercher. Vas-y, viens, 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 je te défonce. Quoi, il est même pas mort le mec?
coup de fusil à pompe dans sa tête et tout, il est même pas mort. Vas-y, viens là, viens là. Viens là, je t'attends. C'est bon? Ok, d'accord, bon, nickel. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Elle risque de tomber à tout moment, faut la sauver et qu'il ne soit trop tard. Bah oui, bah sauve-la! Mais comment tu... Bah, je sais, tu peux pas l'attraper. T'es con, tu fais exprès? Comment je fais, moi? Et comment je fais, mon gars? J'ai pas non plus... oui. Oui, mais tu veux que je fasse quoi? Ouais, elle risque de tomber d'un moment à l'autre. Il faut la sauver avant qu'il soit trop tard. Mais comment tu... T'es con, tu fais exprès? Et bah, tu tends la main. Tu sais pas tenir... tu sais quoi, j'aurais même pu pas parler avec lui. Mais vas-y, tu sais quoi, il m'a saoulé. Oh, mais c'est un truc. Mais il est con, mais c'est. Oh, mais c'est un truc de. Je sais pas, une tarte dans ta. Une tarte, mon gars, une tarte. Alors, régulateur électrique. En raison de dernier orage, mais ça, ce n'est pas vraiment problématique si l'équipement de la salle de la chaudière n'était pas sur le même réseau. L'équipement est si endommagé que je vais probablement devoir le réparer régulièrement. Pour sortir rapidement, régler l'indicateur 70. Vérifier d'abord que tout est connecté à la chaîne. Oui, d'accord, si tu as envie. J'ai rien vérifié du tout, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, je fais comment pour la sauver, moi? Parce que ce handicapé, il sait même pas se baisser, tendre la main pour récupérer, pour aider Rebecca. Non, il sait pas faire ça. Il est trop handicapé pour ça. Ah non, mais bon, il y a un moment, faudrait peut-être arrêter de se foutre de moi. Voilà quoi. Bon, alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça là. Voilà, et je vais récupérer mes balles de fusil à pompe. C'est bon, nickel. Ok, donc voilà. Donc du coup, on est arrivé au niveau de, du coup, du fameux endroit. On va peut-être récupérer une petite plante verte quand même, histoire de soigner un petit peu. Ouh, mais je suis même en mode fou là, quand même. Ah, t'as vu là, on peut combiner genre avec lui. Je comprends pas, moi. Avec l'autre, je pouvais pas. Avec lui, je peux. Et genre, alors qu'il a même pas la chose pour combiner. Ah, c'est complètement con. Non, mais c'est bon. C'est... Moi, ça m'a énervé, tout ça. Maintenant, ça me... Hein, bon. Ouais, c'est parti. En vrai, c'est peut-être parce que c'est une plante verte qu'on peut combiner avec. Et que les plantes bleues, on peut pas. C'est peut-être possible. Ok, donc soit on va faire peut-être combiner comme ça. Ouais. D'accord, pas compris. Non, bah, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est pas... Ah, c'est en utilisant, je crois. Ouais, j'avais utilisé, je crois. J'avais utilisé pour combiner, je sais plus, enfin bon, c'est pas grave, on s'en fout. Oh, plante bleue. Ah, je peux pas combiner, c'est le problème. Bon, c'est pas grave, on s'en fout de la plante bleue, plante rouge. C'est pas très grave, hein, voilà, on s'en fout. Bon, allez, c'est parti, on ouvre la porte et puis on va voir ce qui va se passer. Normalement, on devrait pouvoir sauver la petite... Ouais, toi tu vas te calmer déjà, le singe là, voilà, hein. Bon, un coup de fusil à pompe, je te pète les dents, moi. Oula, toi tu vas te calmer aussi. Merci, hop là. Donc, ah, c'est ici qu'il faut aller. D'accord, oui, d'accord, ça c'est en allumant chaque partie. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, voilà, hein, tu fermes ta bouche. Ça, c'est bon, ça. Donc du coup, il faut aller où? Il faut aller là. C'est là qu'il faut aller ou pas? Le suspense, mon petit. Suspense. Oui, non? Non? Allez! Qu'est-ce qui se passe? Rebecca! Vous dire. Ah, mais. Hang on. J'ai pas compris. Ah, c'est-à-dire que lui, il était là-haut et qu'elle était vraiment plus bas. D'accord. Ouais, j'ai pas vraiment compris le délire, en fait. Bon, enfin bon. Merci, non, tu m'étonnes. De rien, je n'ai pas. Oh, j'ai décidé de faire l'équipe. Pas vrai. Je sais pas quoi, j'ai pas compris. Ici Rebecca, à vous. Rebecca, ici Enrico. As-tu trouvé la trace de Cohen? C'est qui ce Cohen? Réponds-moi. Négatif, monsieur. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je vais poursuivre mes recherches terminées. Cohen, c'est pas le prisonnier? C'est ma première mission et je désobéis déjà aux ordres. Ah ouais, donc d'accord. Cohen, c'est ok. Ma carrière commence mal. Mais non, t'inquiète. N'importe.
D'accord, j'ai pas eu le temps de lire, c'est pas grave. Billy, il faut que je sache la vérité. Avez-vous vraiment tué 23 personnes? Je ne veux pas vous juger. Je veux seulement savoir la vérité. Non, mais en vrai, en fait, je les ai pas tués, c'est un pote qui les a tués. C'était il y a environ un an. Ah, c'est tout? Ah non, d'accord, un petit souvenir. Ah, parfait, nickel. Notre unité avait été envoyée en Afrique pour endiguer, je sais pas quoi. Votre mission consistait à attaquer, enfin notre mission, des guerrillos dans le camp situé en pleine cambrousse. Ou un truc dans le genre, je sais plus. Mais leur repère était loin de notre point d'intercession, je sais pas quoi. Et vas-y, tu sais que ça commence à me saouler là. Certains hommes n'ont... Ah mais vas-y, tu me laisses lire là. D'autres ont été tués par l'ennemi. Au final, seuls 4 d'entre nous a survécu, on va dire. D'accord, ok. Mais il n'y avait pas de repère de guérillos. Comment ça? Les imbéciles en charge de l'opération nous ont filé des infos bidons. D'accord. Mais on ne pouvait pas non plus rentrer les mains vides. On a l'ordre d'attaquer le village. D'accord. Ok, d'accord. Get rid of them! Kill them all! Please, tuez-les tous. Cessez-le immédiatement. Do it! D'accord, pourquoi pas. Bah c'est trop tard, il les a tués, t'es con toi. Vous avez exécuté ces innocents. C'est du passé maintenant. Vous aviez promis de ne pas me juger. Ah bah je vous juge pas, hein, je vous emmerde, c'est tout. Mais tout ceci, de l'importance, mes supérieurs pensent que vous avez tué ces militaires dans le fourgon, pourquoi c'était les chiens zombies, pas vrai? Qu'ils ont attaqué le fourgon, vous avez réussi à vous échapper. N'est-ce pas? Vous ne comprenez pas. Je n'ai que deux options. Soit je me présente aux marines pour être exécuté, soit je reste en cavale aussi, ou je sais pas quoi, c'est tout. Mais arrêtez de... Vas-y, mais on n'a même pas le temps de lire, là. Allez vous faire foutre. Non, mais ça m'énerve, hein. Bon, vous savez quoi? Bon, bah, je vais cacher, on va s'arrêter là. On va sauvegarder et puis on verra la suite plus tard. Une caisse en bois, waouh, apparemment... Elle était remplie de poudre à canon. Waouh, putain. T'imagines un petit coup dedans, là, comme ça. Boum. Ça serait bon, ça, quand même. Non, moi, ce que je veux, c'est ce qu'il y a dessus. Espèce de... Voilà, merci. Là, je peux pas le prendre, bien entendu. Voilà. Voyons ce qu'il y a d'autre. Ok, donc elle peut le prendre. Du coup, on va le prendre avec elle. Voilà, hop. Voilà. Non, si tu pouvais récupérer. Juste, voilà, reviens ici. Voilà, merci. Et tu récupères. Voilà, nickel. Franchement, t'es trop forte. Oh, génial. Donc, du coup, hop. Non, attends, si tu pouvais. Merci. Donc, une machine à écrire. Enregistrer les données. Oui. Ça pourrait être sympathique. Chargement de contenu en cours. Nan, ne pas éteindre le PC. Nan. Et donc, du coup, on va faire ça. Sauvegarde de contenu en cours. Ne pas éteindre le PC. Nan. Sauvegarde réussi. Ouais. Ok, donc Rebecca 03. Deux, voilà, nickel. Donc si je sauvegarde en dessous de l'autre sauvegarde, c'est parce que j'ai eu un petit bug à un moment, au niveau de... Enfin, j'ai eu une petite latence, enfin, j'ai eu des latences au niveau de l'enregistrement. Donc je me dis au cas où, on sait jamais, c'est au cas où, on sait jamais, qu'il y a un problème ou quoi que ce soit. Vaut mieux sauvegarder, au pire, tu vois, je recommence, si jamais il y a un problème, voilà, c'est déjà mieux que si je peux pas du tout recommencer et que j'ai quelque chose de... Enfin, j'ai rien du tout, en fait, tu vois. Donc c'est, voilà, c'est au cas où, on sait jamais. Non, moi, il ne doit pas y avoir de soucis. Alors, du coup, on va s'arrêter, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais essayer sur ce. Attends, moi, j'en peux plus, je vais me coucher. Vous savez quelle heure il est? 2h37 du mat. Voilà, ça fait mal. Bon, alors, du coup, moi, je vais essayer sur ce. Mais bon, ça fait plaisir de jouer comme ça, donc... Donc on en profite, hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi je vais dire à la prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis n'oubliez pas, moi c'était cool!